Aujourd'hui un docu un peu différent puisqu'on va se focaliser sur un monument historique de notre région, le château de Trévoux. On a mis aussi sur notre Instagram quelques photos du tournage, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et comme d'habitude, c'est parti! Petite parenthèse, avant de commencer ce docu, on va traiter uniquement le château et ses secrets. D'ailleurs, n'oubliez pas, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la prochaine destination. Les premières traces du château datent du XIIe siècle. Il faut donc s'imaginer au Moyen-Âge avec des remparts autour de la ville de Trévoux. On a alors quatre portes, à l'est la porte de Lyon, au sud la porte de Saône, à l'ouest la porte de Saint-Bernard et enfin au nord-est la porte de Villars, qui est la seule encore debout. Le château servait à protéger et à contrôler le péage fluvial situé en bas de la Saône. Trévoux est en effet bien situé puisqu'elle est stratégiquement sur l'axe qui mène jusqu'à la grande ville de Lyon. Sa position hauteur de la ville servait à impressionner les ennemis qui tenteraient d'attaquer. Ses murs très hauts et très épais en faisaient un des donjons les plus imprenables de la région. Il y a des enjeux stratégiques ici. On a la Saône qui était une frontière entre le Royaume de France de l'autre côté et l'Empire de ce côté de la Saône. Et on a également Villefranche-sur-Saône qui est pas loin d'ici, où étaient établis les sires de Beaujeu qui étaient des seigneurs initialement rivaux des seigneurs de Trévoux. C'est un bâtiment qui cumule trois fonctions, comme tous les châteaux de son époque. Donc une fonction militaire qui, je pense, paraît assez évidente dans son architecture. On a des murs qui sont relativement hauts, qui sont également relativement épais. 1,70 m d'épaisseur pour le moins épais côté ville, 2,70 m pour le mur côté campagne. Et les murs du donjon font 3 m d'épaisseur, donc des maçonneries relativement puissantes. Mais à cette époque-là, on est également sur des fonctions résidentielles. C'est aussi un bâtiment qui est destiné à accueillir le seigneur avec tous les éléments du confort de l'époque. Donc notamment la cheminée pour pouvoir un chauffage le plus efficace possible du site. Autre élément du confort à l'époque, c'est la fenêtre pour pourvoir un éclairage le plus efficace possible de ces espaces. Toute pièce à dimension résidentielle est équipée donc d'une cheminée et d'une fenêtre. On est au dernier étage de la tour en fer à cheval et les bâtiments de cette époque-là, les châteaux forts du XIVe siècle, concentraient en général les éléments de défense dans les parties sommitales pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'effectif des garnisons était assez réduit et que du coup, concentrer le peu de troupes qu'on avait au dernier niveau, ça offrait plus de possibilités, notamment le fait de pouvoir percer des ouvertures de tous les côtés pour pouvoir tirer dans toutes les directions. On a trois grandes fenêtres qui servent en fait de créneaux pour lancer des projectiles ou pour tirer à l'arbalète ou à l'arc. Les murs du château ont été construits de manière bichromatique, c'est-à-dire avec deux couleurs principales. On distingue les pierres dorées prélevées directement de la région des Monts d'Or et les pierres blanches de la région de Lucenay. Évidemment, aujourd'hui, le château est en grande partie en ruine, mais au Moyen-Âge, c'était un véritable fort de résistance, symbole de la seigneurie de Trévoux. Aujourd'hui, il ne reste du château qu'une cour entourée de trois tours. La tour ronde, la tour en fer à cheval, mais surtout le symbole du château, la tour octogonale. À l'origine, elle mesurait une trentaine de mètres, mais du fait des guerres et des révolutions, elle n'en mesure aujourd'hui plus que 17. En effet, lors de la révolution de 1794, ce sont deux étages entiers qui sont tombés.
L'accès n'est pas aisé, on rentre dans le donjon du château fort Trévoux, comme à beaucoup d'endroits, par le premier étage. Il n'y a pas d'entrée en rez-de-chaussée, donc le cheminement est un peu compliqué. Il faut faire presque une cinquantaine de mètres pour accéder au premier étage. Il faut monter à une dizaine de mètres de haut. D'un point de vue militaire, c'est très bien, parce qu'évidemment, l'ennemi n'a pas la possibilité de choquer la porte avec un bélier. On ne peut pas manœuvrer sur le balcon du premier étage. Mais d'un point de vue résidentiel, c'est pas très confortable et pas très pratique. D'où le transfert au cours du XIVe siècle, une époque où on veut plus de confort de la grande salle dans ces nouvelles parties du château. Là, c'est vraiment typique de caractéristique de l'évolution des châteaux à cette époque-là. Au fil des années, le château a connu de nombreux seigneurs et dirigeants. C'est pourquoi il a notamment été beaucoup agrandi et modifié au XIVe siècle. Alors on est là dans la nouvelle chambre seigneuriale. Ici donc on a ce qu'on appelle une fenêtre à coussiège, vraiment là aussi élément caractéristique des pièces habitables au XIVe siècle. Une fenêtre dotée d'un siège pour s'asseoir à proximité de la lumière. Un casque normand à nasal. Le casque typique du 11e, 12e siècle. Et là, on est à l'époque de la côte de maille, avec un casque comme celui-ci. Avec la côte de maille, on peut pas se faire couper. On peut normalement pas trop se faire piquer. Mais par contre, la côte de maille, c'est un matériau qui n'est pas rigide et du coup qui n'empêche pas d'être choqué à travers l'armure. D'où le développement ensuite des armures de plaques, comme celle qu'on voit ici. L'armure va évoluer, se renforcer et du coup, on va commencer à se couvrir, en tout cas pour les gens qui en ont les moyens, de faire, de manière à résister du mieux possible aux coups qu'on peut recevoir. Deuxième moitié du XVe siècle, les armes à feu commencent à disputer la vedette aux armes de jet traditionnelles, les arcs, les arbalètes. Chaque année, la commune de Trévoux organise les médiévales du château, qui a pour but de faire revivre toutes les animations, les métiers avec les outils de l'époque, à l'emplacement du château sur ce terrain juste ici. Et c'est en 1913 que le château a été classé monument historique. Voilà, cette petite visite du château de Trévoux est terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Pour le docu numéro 14, on continuera de vous faire découvrir la ville de Trévoux plus en détail. Donc rendez-vous le mois prochain.